اليوم عندما تريدون أن تتكلموا عن الواقع اللي رانا فيه اليوم من حق أنا أقولها من حق الناس يكون عندهم شكوك ولا حتى مساءلة أنا سيم المساءلة لماضي كل الوجوه السياسية ما فيش إشكال ولذلك أنا قلت مرارا وتكرارا أن حل الجزائر الجديدة في بعد الاتفاق على مرحلة انتقالية على ملامح حقيقية للدولة الجزائرية الجديدة من المستحسن من المستحسن أن لا يشارك في هذه المرحلة الجديدة وجوه من الفترة القديمة وبالذات فترة التسعينات ذكرت حتى في مواطن أنا ممكن حتى من حيث السن ربما الاحسن خلو سيدي قال سيدي اللي سنهم اقل من 55 سنه علاش 55 هذا كلام طبعا اختراح ممكن يناقش وكذا لان تقريبا اللي كان عمره اكثر من 25 سنه ذلك الوقت دخل في منا ولا منا حب ولا كره وقلال الناس يبقوا على الحياد ولذلك حتى ما نخلوش هذا الجو يؤثر على المستقبل وخاصه ثاني نفتح الباب حقيقه لجيل جديد ولذلك احنا تكلمنا من الاوجه البارزه في حركه رشاد قلنا احنا ما عندناش طموح في سياسة في امور ولا مناصب سياسيه ولا ترشح للانتخابات ما عندناش طمع في ذلك الشيء par exemple tout le monde dit فان va une etat theocratique est-ce que vous 2007 ce n'est pas quelque chose qu'on a rectifié la nuit passée. On dit clairement qu'on est contre l'état théocratique et on explique pourquoi. Ce n'est pas pour plaire à un tel ou à un tel. On explique clairement pourquoi on est contre. On ne veut pas d'état théocratique. Mais les gens disent non, ils veulent l'état théocratique. C'est un bon rôle. C'est une campagne d'attaque de, de, en règle, de diffamation. Alors, autre chose que l'on voit j'ai vu une émission il y a, je crois, un ou deux jours sur Radio-M. Donc, Radio-M, il y avait. Anime Darani, euh, il y avait euh, Hassan Al-Qadi, euh, il y avait une avocate, euh, j'ai oublié son nom, je crois que c'est oui, quelque chose, une avocate, hein? euh, un autre qui s'appelait Boubekri, je crois, et ils ont parlé de Rachad, non, non, tapant dessus, Rachad a dit, Rachad n'a pas fait, Rachad a tat, Rachad a kada. Je leur pose la, la question, n'est-il pas sur un plan professionnel, journalistique, quand on parle de quelqu'un, de faire intervenir sur quelqu'un, je, je parle et, et c'est possible, c'est faisable. Alors moi, je leur laisse quand même une petite voie de sortie. Je sais, je le sais, euh, je l'ai entendu de certaines sources que si jamais ils font intervenir à la chaîne, on risque de leur couper la chaîne, peut-être même de les arrêter, etc. Mais quand on, 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 on laisse passer, on distille de Telles énormités. L'avocate, je l'ai entendu parler, elle attaque Rachad comment Elle dit que Ah, il y a des gens de Rachad qui ont venu, qui utilisent la violence contre moi. Et c'est quoi sa preuve Un barbu, elle me dit, un barbu est venu contre moi me dire, il m'a agressé, il était de Rachad. Mais madame, soyons sérieux. Il, a, il suffit d'être barbu qu'on soit Rachad. La, la, la quasi-majorité des gens de Rachad ne sont peut-être même pas barbus. Et ce monsieur, où je dis avec une pièce d'identité, M'ktoub Ali Et si ce monsieur vous a agressé, madame l'avocate, qui est avocate, l avocate ben, portez plainte contre lui, appelez un policier. Vous êtes en plein centre d'Alger, appelez au secours, que cette personne soit traduite en justice, et on sera de votre côté, madame. Donc, on avance du tout et du n'importe quoi. Autre chose, elle cite un autre fait. Euh, vous avez vu abjaïa il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. J'ai vu la vidéo moi-même. Wahid Jaimchi, il est venu de, apparemment de Biskra, ou je ne sais où, d'une autre région d'Algérie, et il voulait, il voulait participer à la, à la, à la marche abjaïa pour dire je suis contre Rachid et je veux un État laïque et démocratique. Il y a eu des gens qui se sont opposés à lui, et tout de suite les gens ont dit assez ah, Rachid. Écoutez, dans toutes les marches du monde. Quand vous avez une demande, je suis un syndicat de gauche en France qui, qui, ou là, en, en Espagne qui est en train de manifester pour augmentation de salaire. Si moi je rentre dedans de, dans la marche et que je me mets à, 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 à appeler à d'autres slogans, les gens ne vont pas apprécier ça. Ils vont parler. Il y aura des chahuts. Heureusement, on n'a pas vu de violence, Yannick. Hein, les gens se sont. Il euh, y a eu une petite chamaillerie, mais Alhamdulillah, ça c'est pas. Nous, moi personnellement, j'aurais laissé la personne. Rachid laisse tout, tout. Parce que le hirak appartient à tout le monde. Même ceux qui, qui insultent Rachid. On l'a revu aussi, place de la République. Il y a eu une chamaillerie, une, une altercation vers le bas, pas plus, entre des gens. Et tout de suite, ah c'est Rachid qui. Mais enfin, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, ces diffamations. D'un côté, certains disent que même je l'ai entendu dans l'émission Radio Rachad ne pèse pas beaucoup. Et nous, oui, nous ne pesons pas beaucoup. Nous, nous le disons, nous le redisons. Rachad, c'est une goutte dans l'océan de Herak. Alors, encore une fois, pour parler de, 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 de ces initiatives, Radio M, -Hum, j'ai cité el Cradi qui a fait un article. Je sais qu'il a été lynché par beaucoup qui fâchent trop. Le Rachad au je, je pense que ce qu'il dit est dans une très large mesure acceptable, dans certains aspects souhaitables même, surtout en ce qui concerne la nécessité qu'il y ait un dialogue ouvert et franc entre toutes les franges de Ferrac pour concevoir justement cette... Cette, cette notion de changement, cette, ce mécanisme, pour faut faire l'ingénierie de ce changement. Oui, il faut un consensus, il faut un débat de tout le monde. Rachad a prouvé à toutes les occasions qu'il était ouvert. Euh, récemment, et Pavel Hassan a bien fait de le souligner, certains de nos cadres sont allés rendre aux, euh, visite aux, aux collègues du, du parti MDS. Il y a eu des débats. Nous n'avons pas de prérequis nous n'imposons rien à qui que ce soit nous voulons qu'il y ait un débat serein honnête transparent pour justement concevoir cette période de transition à la seule condition qu'on vise l'état démocratique réel sans exclusion de qui que ce soit qui que ce soit personne n'est ici censeur pour dire ni d'un côté ni de l'autre ah, celui-là il faut l'exterminer non nous ne voulons pas de ça nous voulons réunir tous les algériens après quand il y aura la, la, la période ou l'étape de la, de, de la course enfin, du débat politique des programmes, ben, chacun présente son programme, et, et, au, et au peuple libre et souverain de trancher, de choisir, et euh, qu'on qu vive vraiment une démocratie réelle. Donc, euh, moi, je réponds oui à l'appel la, de, 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 de gens comme Sarradi, nous sommes disposés à aller dans cette démarche, dans le cadre de la, de, du réalisme. De, de, de la raison, de l'unité, du pacifisme, bien sûr, du respect de toutes les tendances, et que nous nous, 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 nous attellerons à suivre cette démarche, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le prix, y compris celui où euh, Rachad devrait payer de sa propre existence. Hein? On, on ne veut même pas imposer à Rachad que non, et nous l'avons dit. Quand il y a eu l'initiative de NIDA 22, nous n'y étions pas présents, mais nous avons dit que c'est une bonne initiative. Parce qu'à chaque fois que des Algériens se rencontrent, même si nous ne sommes pas présents, c'est une bonne étape. C'est en, en, en construisant petit à petit ces ponts, ces, 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 ces contacts, ces discussions politiques, ce débat ouvert que nous pourrons envisager... Euh, une, une, une avancée euh, et surtout la victoire du Hérak que nous, euh, nous insistons pour qu'il reste uni, solidaire, dans le cadre euh, du combat pacifique, exclusivement pacifique, et surtout ne, ne pas sombrer dans les pièges que euh, la bande, la Aïsaba, euh, qui est malheureusement toujours euh, aux commandes, essaye de nous entraîner. À, à, avec des, procé, des, des, des procédures viles, des procédures dépassées, des procédures qui, qui ne montrent aucun respect pour ce peuple et son avenir. Ils veulent, ils veulent rester coûte que coûte, peut-être quitte à mettre ce pays à feu et à sang, mais je, nous faisons confiance en ce peuple, dans le cadre de l'unité, du pacifisme, pour qu'il empêche euh, ses, 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 ses dérives, pour qu'il empêche. Euh, ses, 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 ces groupes qui essayent de le mener à la confrontation pour que se construise, construise l'Algérie démocratique, respectueuse de tous ses citoyens et citoyennes, et qu'on ait vraiment l'état de droit auquel nous aspirons tous.